Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment récupérer des fichiers supprimés sur ton ordinateur. Ça t'est déjà arrivé de supprimer accidentellement un document ou une photo importante et même après avoir vidé la corbeille, tu ne sais plus quoi faire? Ne t'inquiète pas, je vais te montrer une solution simple avec un logiciel pratique qui va analyser ton disque en profondeur et récupérer ces fichiers perdus. Avant de passer à la démonstration, voyons rapidement les fonctionnalités et avantages du logiciel. Analyse profonde de tout le disque dur, même après un formatage ou une corruption de données. Compatible avec des fichiers de différents formats, documents Word, Excel, PDF, vidéo, images et même email. Elle fonctionne non seulement avec le disque interne de ton ordinateur, mais aussi avec les USB, cartes SD et disques durs externes. Classe les fichiers par type, taille, aux dates de modification, ce qui te permet de retrouver rapidement ce que tu cherches. Disponible sur Windows et macOS, donc utilisable quel que soit ton système. Donc, si ça le site de logiciel et comme d'habitude, le lien de logiciel sera dans la barre de description. Alors, téléchargez le logiciel à partir de cette option. Une fois le téléchargement du logiciel a terminé, installez-le facilement en suivant les étapes de l'assistant d'installation. Cliquez sur Suivant, accepte les conditions et en quelques secondes, c'est terminé. À l'ouverture, tu verras une interface claire qui affiche tous les disques et partitions disponibles sur ton ordinateur. Passons maintenant à la pratique. Je vais te montrer comment récupérer tes fichiers supprimés avec une analyse complète du disque. Choisissez le disque où les fichiers ont été supprimés. Par exemple, si tes documents étaient sur le disque-ci, sélectionnez-le. Une fois le disque sélectionné, clique sur Analyser. L'analyse complète peut prendre un peu de temps, surtout si le disque est grand. Pendant l'analyse, tu verras les fichiers détectés en temps réel. Une fois l'analyse terminée, tu peux prévisualiser certains fichiers avant de les restaurer. Très utile pour les photos ou documents. Sélectionnez les fichiers que tu veux récupérer et cliquez sur Récupérer. On enregistre toujours les fichiers restaurés sur un autre disque ou répertoire pour éviter d'écraser les données existantes. Voici quelques astuces pour améliorer la récupération. Réagir rapidement après la suppression pour augmenter les chances de récupérer le fichier. Limite l'utilisation de ton PC avant de lancer l'analyse pour éviter que d'autres fichiers écrasent l'espace libre. Sauvegarde régulièrement tes fichiers importants pour éviter de retrouver dans cette situation à l'avenir. Et voilà, tu sais maintenant comment récupérer des fichiers supprimés sur ton ordinateur grâce à une analyse complète de disque. Ce logiciel est pratique, facile à utiliser et peut vraiment te sauver la mise si tu as perdu des documents importants. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un pouce bleu, t'abonner à la chaîne et partager ton expérience dans les commentaires.
Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles vidéothèques.